Salut à tous, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 13, si je dis pas de bêtises. Et donc pour le jour 15. Donc hier, on a débloqué le Romodile et on a fait uniquement de la falaise. J'ai tenu ma promesse, je n'ai fait que des modifications sur les falaises. Et là, on va s'occuper de tout ce qui est cascade. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter, Marie ? Ok. Vendredi 10 avril. Tout de suite, les annonces du jour. La population s'agrandit sur Wanokuma. Nous accueillons Victor. Donc voilà, Victor, c'est le dernier villageois que j'ai invité. Donc on est à 10 personnes maintenant. Ok. Et tu me donnes toujours pas le panier repas. Alors, on va regarder le courrier. Vient du Nook. Le VTT que j'ai commandé, et là, quelqu'un s'est installé sur une parcelle. Ok, parfait. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déménagé ma maison. Je l'ai mis sur un étage de niveau 1 de falaise, au fond à gauche. Je me suis fait un petit coin ici. Là, je vais rajouter une chaise comme ça et une chaise comme ça. Là, j'ai mis quelques hybrides rapidement que j'ai eu. Là, le biotope que j'avais eu. On voit en bas que j'ai créé des motifs pour faire comme des serviettes de plage. Là, j'ai fait mon petit coin atelier. Là, j'ai mis cette table-là, mais je pense que je vais l'enlever, c'était parce que j'ai eu le craft hier. Là, j'ai installé la rampe la moins chère. Donc, je trouvais que c'est celle qui correspondait le mieux quand même à ce que je voulais faire. Juste, je regrette de ne pas avoir fait trop un arrondi par rapport à ici, ça fait un peu droit. Là d'ailleurs, on a un ballon. Qu'est-ce que c'est le ballon? C'est un ballon, pas qu'on s'en fout. Donc voilà, vite la plage. Donc là, on a aménagé les... Ça, je crois qu'on l'a fait ensemble, aménager les paravents coquillages. Là, j'ai mis comme des serviettes de plage. Je vais peut-être les modifier. Hein. Là, j'ai fait ça, mais ça me plaît pas tant que ça. Alors, les fleurs, pour l'instant, il n'y a plus de champs hybrides parce que... Comme ça en remodule là, c'est pas du tout faisable. Alors ici, j'ai commencé à construire pour faire un coin zen. Donc j'ai déplacé les statues ici et aujourd'hui on va demander à mettre une rampe ici. Donc là j'ai fait des trous mais c'est vite fait hein, pour pouvoir rejoindre, vous voyez par là, hop. Je passe là derrière. Ouais, c'est le seul champ d'hybride qui reste, ça, et encore je crois que j'ai oublié de l'arroser. Ça sert à rien. Alors ici, voilà, ici, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va demander à déplacer le musée ici. Donc là, pour ça, je me suis inspirée d'un trailer qu'on avait vu avec le musée ici, même de plusieurs trailers, je crois. Et sur le côté, donc, il y avait un fossile. Donc moi, je vais mettre celui de l'ankylosaure quand j'aurai récupéré un second torse. Et là, sur le côté, je vais mettre du coup... les machins de Jarod et de Pollux, enfin par Jarod. Et ici on va faire un chemin qui va rejoindre le futur camping qui sera placé ici. Et là on a un Agrias que je vais essayer d'attraper. Voilà. Agrias, c'est le prochain truc je pense que je vais demander à Jarod de me faire en papillon. Donc voilà, on aura le camping ici, délimité par des cèdres pour faire une forêt. Qu'est-ce que je peux vous montrer du coup? Donc cette double cascade là, aujourd'hui, on va l'enlever. Et je vais faire ce système là devant le musée. Donc devant le musée, il va y avoir une cascade qui va rejoindre ensuite du coup les cours d'eau. Standard, mais ça aussi je voulais modifier les cours d'eau parce que j'ai pas envie de les laisser comme ça exactement. Alors, on va aller voir Victor qui est normalement avec l'échelle, je pourrais pas passer. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu le lance-pierre doré. Alors je l'ai eu peut-être 3 jours après avoir fait mon 300e ballon en gros. Je pensais que c'était celui qui suivrait. Oh, sa maison elle est jaune et noire, vraiment ça lui ressemble parfaitement quoi.
Alors, Victor. Ouais, je l'ai pris parce que il me manquait. J'avais quasiment que des filles, il fallait des garçons, quoi. Et Victor, je le connaissais déjà de Wild World. J'aimais trop son t-shirt déjà à l'époque. Alors, on va aller voir Nook. Mais c'est vrai, on est samedi, il y a Kéké. Yo, ça roule, je me présente, Kéké la glisse, à ton service. Ok. Pour l'instant, j'ai envie de jouer ce qui me vient, mais c'est pas trop dire sur le manche. Par contre, je joue sur demande à partir de 18h. Ok, donc à partir de 18h, soit on va lui dire de faire un truc qui correspond à nos humeurs, soit on va lui dire le nom d'une musique en particulier. Alors, on va lui demander... on va aller faire l'inauguration de la rampe. Ok, donc l'inauguration de la rampe, on va pas la garder en entier, je pense. Par contre, vous avez remarqué, moi je suis tout en haut. On voit presque pas, ça me dérange un peu, c'est quand même moi qui ai tout payé. Ok. On va regarder là déjà. Photo fort en verre. Très bien. Et là c'est quoi? On va regarder ça hein, avant de demander à Nook de nous faire les autres trucs. Bon, je suis destinée à avoir la cabine téléphonique en blanc. Oh, il y a encore le biotope. Qu'est-ce qu'il y a, Oreo? Si tu veux des câlins, tu viens hein. On va lui demander infrastructure. On va lui demander... Oh là là, il est fou lui. Les rampes et les ponts. On va installer une rampe. Alors là, ça va être une rampe pour le coin zen. Je pense qu'en rondin, c'est ce qu'il y aura de mieux. On remarque, dans le coin zen, il y a quand même pas mal de trucs en pierre. Donc voilà, on est là. Mon but, c'était de mettre une rampe comme ça. Est-ce que ça va passer? Alors, on va regarder ce que ça donne. Imaginons. J'aime bien. C'est parfait. Allez, c'est trop cool ça. Ça y est, on a décidé qu'on allait mettre la rampe ici. Je vais vous montrer en haut ce que ça donne déjà. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques bambous, le gong, la boîte à malice bambou, là le galet, enfin le rocher avec la petite mare dedans, là le même mais des sakura, et là le onsen. Donc voilà, mais je vais peut-être l'élargir un peu, je vais voir en fonction de la place que j'aurai à côté du musée. Donc maintenant on va aller demander à Nook de déplacer le musée, et à partir de l'emplacement du musée, on va pouvoir faire d'autres changements. Donc voilà, maintenant on va poser le musée à peu près par là. Je pense qu'en taille ici ça doit être correspondre. On se réfie. Je vais juste voir si je peux pas le décaler d'un cran. On se réfie. Ouais. Mais remarque, j'ai peur que le corps d'ankylosaure il soit un chouïa plus large. Donc finalement on va rester comme ça. Construire ici. Ok. Imaginons. Ok. Oh, c'est pas mal, non? Par contre c'est dommage qu'on n'ait pas de raccord
avec le terrain là, on a forcément un peu d'herbe en dessous. Ça c'est dommage. Voilà, on a placé le musée. Maintenant on va pouvoir s'occuper de ça. Hop, on va activer le gros module. Oui. Permis en cours de création. L'application Romodil est prête. Ok, donc là ce qu'on va faire, on va enlever le cours d'eau. Justement, je veux l'enlever. Voilà, ça c'est les problèmes du Romodil. Il faut être vraiment bien précis. Alors, toute la partie haute là, elle a été rebouchée. Ensuite, on va descendre. Bon, pour l'instant, ça on va pas le reboucher encore. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dégage ces arbres. On va prendre la pelle. Et on va manger des neufs. On a tellement des neufs qu'on les mange. Oreo, t'arrêtes de faire le foufou avec les habits de maman. Les arbres, je vais les mettre en haut. Je les redéplacerai plus tard quand j'aurai bien défini ma partie un peu forêt pour le camping. Voilà, alors pour l'instant j'ai un peu fait dégager une partie des arbres. Ceux-là ils dégageront mais plus tard, quand on aura quelques modèles à mettre avec des fleurs et du coup les ici là, les clôtures. Alors, nous, ce que l'on va faire, on va donc d'abord créer de la falaise, un peu plus de falaise. Donc nous ici on va créer un peu plus de falaise pour faire un espèce d'étang cascade devant le musée. Alors, je pense que là, j'ai suffisamment de place devant le musée, sachant que là, on aura donc l'entrée du musée. Là, à la rigueur, peut-être qu'on y mettra quelques petites barrières pour décorer. On va essayer de les mettre un peu là pour visualiser ce que ça donnerait si on les mettait. Mais il me reste en place. Pas tant que ça. Hein. Mais là, c'est quand même ce qu'il faut, je pense, comme accès d'entrée au musée. Ça va être notre délimitation en fait. On utilisera d'autres types de barrières, hein, mais pour l'instant, le temps de faire les travaux, on va faire ça comme ça. Donc, à la rigueur, ce que l'on peut se dire, c'est que les escaliers seront vers ce niveau-là. Il faut que je crée de la falaise en plus. Il faut que je crée au moins une rangée de falaises en plus. C'est pas assez là. Parce que là, je veux que l'eau déjà prenne. Vous voyez là, ça va pas faire assez en même temps. On va le reboucher en attendant. On va refaire une rangée de falaises.
Alors là. Ok. J'ai l'impression que ça fait toujours pas assez. Hein. Faut que je refasse encore une rangée. Par rapport à ce que je veux, c'est pas assez. Faut que je refasse une rangée. C'est pas grave. Alors, là pour l'instant c'est très carré, hein. Mais là on va faire. Est-ce que j'ai possibilité de faire un angle ici? Si j'enlève les barrières là. Parce que là du coup elles me gênent maintenant. Mais si je le mets comme ça. Voilà, là on a un arrondi. Et là on va faire pareil de ce côté là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non plus. J'ai fait trop près. Oh, remarque. Non. Toujours pas. Remarque, c'est quoi le mieux? Comme ça ou comme ça? Bon, vous savez quoi? Ça, on va le laisser comme ça tant qu'on n'a pas fait en mode cascade. Ah, ça, on est en train de se faire. J'avoue que c'est la partie la plus chiante du robot deal, ça. Autant les falaises, c'est pas trop problématique, mais par contre, c'est sur les cascades. Franchement, c'est pas joli comme ça. Moi j'aime bien. Pas les angles, hein. Je parle juste du fond. Ouais, franchement, là je trouve ça cool comme ça. Bon, je vais tenter un truc. Hein. Non. Donc là par contre, je peux pas faire d'angle. C'est ça qu'on me dit. Dans tous les cas, j'en rajoute. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais essayer un truc. Mais là, ça commence à être trop large. D'accord. Si je mets juste un truc comme ça au milieu, vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me répondre, hein, je sais, mais. C'est peut-être mieux avec qu'un seul truc au milieu. On va prendre la perche. Oh là là, mais c'est pas possible. On veut pas que je fasse mon angle. Hein. Voilà. Ok, et bien au milieu, on verra ce qu'on mettra. Mais je vais peut-être devoir enlever la cascade pour réinstaller un truc au milieu là-bas. Mais je sais pas trop ce que je pourrais mettre en fait. Là, je pense que je ne mettrai peut-être pas des barrières, mais je l'entourerai de fleurs. Lesquelles, je ne sais pas encore. On va descendre un tout. Pas que la cascade tombe dans le vide. Ok, donc là, ça va être une arrivée d'eau qui nous rejoindra les cours d'eau classiques. Et là, on va s'occuper de retirer cet étang là, que vous voyez sur le côté, qui ressemble à un pénis. Parce que moi, ça me saoule d'avoir ce pénis chez moi. J'enlève au moins un côté. Comme ça deviendra l'ensemble.
Voilà, bon, pour l'instant, ça on va le laisser comme ça. Parce que ça me saoulait de voir ce machin comme ça. Vous voyez, du coup, on a fait un peu de remodel en... de permis d'eau ensemble. Je pense que ça sera tout à faire ensemble aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, hein, là, cet après-midi, je vais passer du temps à en faire. Ce qu'on va faire, on va chercher l'habitant qui craft. Et bien, on l'a trouvé de suite. C'est Stéphanon. Il va encore nous donner un truc qu'on connaît déjà, je suis sûre. Ah, ventilateur à Nérone. Ah, ça, on l'avait pas. Oh, comment je suis trop mauvaise langue. Mon pauvre petit Stéphanon. Oui, je veux bien. Donne-le-moi. Parce que je t'aime et à chaque fois tu me donnes des trucs que je connais déjà. Tu m'as donné deux fois le lit en bois. Alors, regardez, on va apprendre. Ventilateur anémone. On va regarder ce que c'est directement. C'est plutôt joli, on le voit pas très bien là. Vous savez quoi, on va aller chercher des anémones. Je crois que j'en ai chez moi, je sais plus si j'en ai trois ou pas. Je sais pas ce qui est mieux, avoir son atelier chez soi ou dehors. Moi j'aime bien l'avoir dehors, comme ça je suis pas obligée de rentrer chez moi si j'ai mon truc qui casse en dehors. Peut-être que j'en ferai deux. Travaille. Oh, mais c'est trop marrant, vous avez vu comment ça tourne? C'est trop rigolo. Là on le voit bien, c'est trop bien. Allez, tout de suite. Oh, c'est cool. Attendez, j'ai envie de le placer dehors, du coup, moi, maintenant, ce truc. Je vais le placer là. Ah, il y a un papillon hybride. C'est ça, là? Ouais. Placer. Ah, regardez comment c'est trop mignon. Donc là, ce sont les hybrides. Ah, mais on n'a pas fait la bouteille à la mer. Voilà, avec ce remodel, on oublie les essentiels. Ok. Haut-parleur cerise. Oh, mais on apprend plein de trucs aujourd'hui, plein de trucs bien. Haut-parleur cerise, d'accord. Donc on va aller chez nous pour voir ce qu'ils vendent et pareil, on ira au sort de fée. Oh là, il y a des trucs qui m'intéressent là. Mais j'ai plus assez de sous, je suis sûre, pour tout acheter. Oh, si ça va, j'achète. Ok. Lampe de table. Oh, c'est même plus cher que le machin de divination. Ok. Ça m'intéresse. Le palmier d'arrêt. Ok. Ça. C'est le fumoir. Oh, il est cher le fumoir. J'ai pas assez là pour le prendre tout de suite. Je le prendrai plus tard dans la journée. Et là, qu'est-ce que t'as comme fleur? Est-ce que tu as des cosmos? Lys, pensée, anémone. Tu m'énerves. Vous m'énervez même plutôt. Ok, ben je le rachèterai plus tard pour le nook. Bienvenue chez les sœurs de fées, l'entre des griffes. Hop, là, il y a toujours les tenues de sport. Oh, mais ça, j'aime trop. Oh là là, mais j'ai plus assez de sous. Oh les gars, je suis trop deg. Faudrait que je revienne après parce que j'ai plus assez de sous. Bah, du coup, on va parler à Cousette et on va quand même regarder ce qu'il y a en vente. Ok, on lui a parlé deux fois. Alors, on va voir. Donc, il y a toujours les affaires de sport.
Le pull style poncho. Ok. Tenue de chef. Oh, je vais peut-être acheter une tenue de chef. Je sais pas. Tenue de chef sushi. Ouais, j'ai déjà celle-là. Ok. Tenue de détective. Oh, c'est marrant. Ok. Jupe portefeuille boutonné. D'accord. Il y a toujours les shorts de sport. Il y a toujours la robe à ruban. Et là, robe de serveuse des années 50. D'accord. Oh, regardez, il y a des petits bonnets de marin. Je vais peut-être en acheter un après le bonnet de marin parce que j'aimais bien avoir le look marin aussi. Oh là là, mais il y a trop de trucs que je kiffe. La perruque iroquoise aussi. Toujours les babies. Paire de bottes 7 lieues. Ouais, ça fait un peu féerique ça comme bottes. Et paire de bottes à lacets. Oh, je vais acheter celle-là, là, elle est blanche. Elles ont l'air trop belles. Voilà, alors, petit récap. Les petites bottes là, blanches. La coupe iroquoise, un bonnet de marin, je ne sais pas encore lequel, soit le foncé, soit le blanc, une tenue de serveuse des années 50, tenue de chef de sushi, je l'ai déjà, je vais peut-être prendre une tenue de détective et une tenue de chef, je ne sais pas laquelle encore. Voilà ce que je vais prendre quand j'aurai retiré de l'argent. Donc voilà, c'est ici qu'on va conclure cette vidéo, même si c'est encore un peu en chantier. Donc on a créé les falaises exprès pour le musée. On a donc déplacé le musée, on a placé une rampe pour le coin zen, qu'il va falloir que j'aille payer après d'ailleurs. On a fait du coup des cascades, hop là, les deux cascades. Et sur les côtés de chaque cascade, on aura deux rampes en pierre. Donc ça faudra le faire progressivement. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui puisqu'on a vu la partie du coup remodile avec le permis cascade, le permis de l'eau. Hier on avait vu la partie falaise et bon, comme c'est pas un truc très compliqué, j'ai fait moi-même du coup la partie terrain, ça, il n'y a pas de grosses difficultés avec ça. Donc voilà. C'est sur cette petite scène que je vous dis donc à demain pour le let's play numéro, je vous dis pas de bêtises, le numéro 14, c'est ça. Allez, c'est parti, moi je vais continuer et vous, je vous laisse. Ciao.